porteur d'un message du pape Théodore II de l'Église catholique orthodoxe grecque à l'endroit des fidèles de cette église à Pointe-Noire. Monseigneur Nicéphore est allé présenter ses civilités au préfet du département Alexandre Honoré Paquin, qui a fait une brève présentation administrative de Pointe-Noire à l'endroit de son hôte. Les deux hommes ont échangé notamment sur la collaboration entre l'Église orthodoxe et le représentant du chef de l'État dans le département. Μιλήσαμε, τον ευχαριστήσαμε για ό,τι προσφέρει και τη συνεργασία που έχει με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Je suis venu avec l'autorisation et la bénédiction de notre chef pape et patriarche Théodore II. Il m'a envoyé de venir ici rencontrer les fidèles orthodoxes ici à Pointe-Noire et venir aussi voir toutes les autorités du milieu. Nous avons de bonnes relations avec lui, avec toutes les autorités de la place. Et Dieu voulant, nous allons évoluer et pour faire le bien pour la population et pour les fidèles. Après son passage à Brazzaville, Monseigneur Nicéphore s'est dit par ailleurs marqué par l'accueil chaleureux qui lui a été réservé pour sa toute première visite à Pointe-Noire. Les relations entre l'Église catholique orthodoxe et la préfecture de Pointe-Noire sont au beau fixe, a souligné Alexandre Honoré Paquin au cours de cet échange. Et le passage de Monseigneur Nicéphore est une façon pour les responsables de la dite Église de les consolider davantage.